Je suis convaincue que 99% des gens qui regardent cette vidéo ne penseront jamais que j'arriverai à mettre ce papier dans ce verre de dos et à 2 mètres. Et pourtant... Mets un petit like juste en dessous. Les amis, c'est définitif, j'ai une nouvelle passion. Je me baladais récemment sur TikTok, ma nouvelle application préférée, quand tout d'un coup, je vois des gens faire des trucs what the fuck avec leur corps. Et il y a quelques semaines, j'ai lancé l'épisode 1 de la série Talent ou pas talent. Et ce nouvel épisode est consacré spécifiquement au challenge TikTok en duo. Mais surtout, si tu ne fais toujours pas partie de la famille, eh bien, tu peux t'abonner juste ici. Je te souhaite la bienvenue. Et toutes les semaines, on vit des expériences complètement uniques. C'est parti dans 3, 2, 1. Bienvenue dans ce nouvel épisode de TikTok versus réalité en couple. Vous l'avez compris, évidemment, je vais regarder ces expériences incroyables et ensuite, je vais aller les tester avec mon binôme préféré. Qu'est-ce qu'ils font, le petit train? Oh putain. Quoi? Ils tiennent en équilibre. Est-ce que ça fonctionne vraiment ou est-ce qu'il faut être réellement musclé? Il fait vraiment le petit chien avec elle, hein. Il faut qu'elle sente bon de la moule, hein, à ce niveau-là. Et la fille, elle a une confiance incroyable pour être capable de pouvoir se tenir réellement en autruche, comme ça, sur le type. Et lui, il se lâche. Non mais regarde-moi cette grâce. Est-ce que la grâce va être présente en moi ou est-ce que la graisse va être présente? Voyons voir dès maintenant. Quoi de mieux que mon meilleur acolyte de tous les jours pour pouvoir faire ces challenges TikTok en duo? Guillaume, mon caméraman, les gars, ça va? Ouais, toi? Ouais. Vas-y, tu te places. Vas-y, montre-moi ta position. Baisse-toi. Ouais. Non mais il faut que je me place, moi. Place-toi. Mais Guillaume, je peux pas me placer là. Il faut que toi, tu montes après. Ah, j'entends. Non. Oh, putain. Ça commence mal. Là, je suis au top. Là. Non, mais il faut que tu lèves tes jambes. Voilà. Déjà. Et au bout. Attends, je balance. OK. Mais attends. Ah attends. Viens, on échange parce que là, tu comprends rien. Vas-y. Comme ça? Oui. Mais tu... Ah, okay. Ah ouais. Non, Guillaume, il y a un truc que tu comprends pas. Non, mais c'est pas. Moi qui fais l'homme. Non, mais... C'est flotteux. Avance un peu. Comme ça. OK. Tu m'envoies jarter de l'autre côté. J'arrive pas à monter. Il faut que je passe mes pieds autour de toi. Tu le comprends? Non, laisse-moi me redire. Oui, laisse-moi me redire. Sois raide. Attends, je... Là, c'est très bon. Je suis pas assez recul. Vas-y, lève ton cul. Avec quoi? Mais, avec quoi? Avec tes muscles, il est con. Avec quoi? Vas-y. Oui, lâche-toi. T'as réussi? 2 secondes. Les amis, celui-là, c'est réussi. Il ne faut pas avoir de talent pour y arriver. C'est tout. Ok, donc là, la meuf, elle est sur lui déjà. Est-ce qu'on peut parler du juste au corps? On dirait qu'ils se sont huilés. C'est luisant, laisse tomber. Caoutchouteux, j'adore ça. La meuf, elle est dessus, elle saute et le type, il remonte. Putain, va tomber. Elle va se viander, laisse tomber. C'est un échec? Ah oui, c'est un échec, ça. Pas trop réussi, mais c'est parce que moi, je suis même pas capable de monter sur l'autre. Juste, le gars, je l'écrase en dessous. Ok. Entre les omoplates, vas-y. Ok, je contracte mes abdos, vas-y. Mais là, prépare-toi à monter. 1, 2, 3. Vas-y, je suis contractée là. 1, 2, 3. Je comprends pourquoi ils ont des petits juste au corps mouillés, eux. Ça accroche. Juste au corps mouillé, Je vais enlever mes chaussettes parce que ça accroche. Ah, bah là, ça accroche mieux les pieds nus. 1, 2, 3. Ça a marché. Mais attends, il reste 2 secondes de top. 1. 2, 3. Oui, oui. On l'avait presque. Hop là. Demi-talent pour celui-là, c'est quasiment réussi. Le mec est vraiment grand. La fille est toute petite à côté. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? C'est trop beau. Par contre, il y a un truc que j'aimerais remarquer, c'est la gueule de la souffrance du gars. Le mec, il est au bout de sa vie, je pense. Ça, c'est très poétique et sur une belle musique, ça peut vraiment donner quelque chose d'incroyable.
Je sais pas si vous avez confiance en moi à ce niveau-là ou pas. Voyons voir maintenant. Pour celui-là, gracieuseté au rendez-vous. 1, 2, 3. Ça a marché 2 secondes. Faut aller vachement plus lentement. Vas-y, commence à tirer doucement. C'est parti. On va pas tourner, ok? Tourne pas. Là, c'est un échec complet, il faut du talent. Qu'est-ce qui se passe? Malheur, moi j'aurais pas confiance. Et le gars en bas, laisse tomber. Quoi? La meuf, elle avance comme un chien, mais dans l'air, c'est génial. Ça, sérieusement, je pense que n'importe qui y arrive. Hein. Là, vas-y, mets-toi en position de petit chien. Mais pourquoi faire? Mais il peut supporter? Non mais t'es sérieux? Genre je suis un dindon ou quoi là? Ouais. Le type il a crié à mammouth. Non mais c'est quoi l'affaire? Il revient, tiens, tiens. Ça se tient, ok. Guillaume, faut que tu maintiennes tes jambes. Là tu veux commencer à patiner, c'est pas ça le truc. Laisse-moi fermer, ferme, ferme. Ok. Ok. Je me pisse dessus. Mais qu'est-ce qui marche pas? Bah c'est que t'atteins trop. Schlack, 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 ça travaille les épaules, ok? Vas-y. Ok. Vas-y. Schlack, schlack. En fait, c'est que c'est très lourd comme ça, on va trop loin. C'est très lourd, je suis trop lourde. Non, mais c'est ta jambe qui est lourde. Mais c'est toi qui la recule, là. Vas-y. Là, il faut du talent, on arrête ça, là. Ça, sérieusement, je pense que n'importe qui y arrive. Hein. Putain, mais t'es le pire en yoga. C'est pas de la détente, là, c'est de l'angoisse. Donc là, elle, elle lui met le pied dessus. Il lui tient l'autre pied. Oh! Non. La meuf, elle est en forme aspirateur, quoi. Je pense sincèrement que celui-là, moi je serais pas capable de le faire, faut un talent très particulier. Écoutez, voyons voir, talent ou pas talent, c'est parti. Retiens ma jambe, hein. Retiens ma jambe. Je vous mets au défi tous de faire ça avec quelqu'un qui a un manche à balai dans l'arrêt. Ça va donner le même résultat. A few moments later. Mais tourne! Mais je peux pas tourner, regarde, je suis où? Je suis pris là. Mais donc tu me balances? Ouais, comme ça. 15 minutes later. Voilà! Là, c'est loupé. Il faut du talent pour celui-là, encore. Donc là, alors déjà la position, comment tu te mets dans ce genre de position, quoi? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Parce que là, c'est un peu compliqué. Oh, en plus, elle fait un grand écart. Non, mais laisse tomber, la meuf, c'est un ciseau le truc. Ben non. Mais moi, je fais ça, je me fais une torsion de l'entrejambe, c'est sûr. Alors, talent ou pas talent, ben voyons voir de suite. Putain, je suis pas confiante. Oh merde. Là, il faut que vraiment que tu me tiennes. Je suis raide. Non, mais je peux pas savoir si t'es raide. Vas-y. Raide, toi. Gaou, tu me rentres les pouces. Tu m'handicapes le bras, Guillaume. Je suis handicapée, là. Non, mais attends, je. Ah! Faut vraiment que tu me tiennes bien parce que là, là, on est tous en train de les échouer, là. Ok, je te montre les épaules. Ça fait mal? Ça fait extrêmement mal. Je vais t'aider avec tes jambes. Tu pues de la gueule. Tes genoux, ils sont trop loin. On y arrive. Putain, on a réussi, je pense. Non, celui-là, faut pas de talent. Tout le monde peut y arriver. J'ai le sang à la tête, j'en peux plus. Je pense que c'est un des premiers qu'on arrive. Je vais m'évanouir, les gars, je vous jure. Oh putain, il va tomber. Bah là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va décrocher l'ampoule? Et voilà, c'est réparé. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est Titanic à l'inverse, là. Et lui, il tient. Oh mon Dieu. Ah oui, par contre, lui, il a vraiment le cul dans la tronche. Hein. C'est un truc de fou. Est-ce qu'il faut du talent ou pas? Surtout, dites-moi si vous en avez testé plusieurs à la maison. Dites-moi si je lui suis la seule, patate ou non, s'il vous plaît. Rassurez-moi. Ha, voyons voir ça de suite. T'es prêt? Ouais. Faut que je sois encore plus par derrière. Sois vraiment plus par derrière. 2, 3. Teste ça. Pourquoi tu t'aimes pas? Toi, tu pensais si facile de se lever? Là, on n'est pas des novices. Voilà. Celui-là, on l'a, là. Celui-là, c'est le bon. Tu m'as pété le short. 1, 2, 3.
Guillaume, tu m'as pété le short. Et tu m'as pété le short. Mais c'est pas grave. Non. Tu m'as pété le short. Arrête de me péter le short là, genre j'ai un trou. T'es prêt? Je suis prêt. Tiens, voilà. Vas-y. Vas-y. Pourquoi tu t'es blessé? On n'y arrive pas, c'est loupé. Enfin, je suis épuisée, j'ai un trou dans le short, j'en peux plus, les amis, je vous jure, c'est loupé au complet là. Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Oh putain, la meuf. Malheur, non mais on peut admirer la couleur de la gueule qu'elle a dans les genoux du gars. Qu'est-ce que c'est? C'est supposé être des positions de yoga pour relaxer. Je vois pas en quoi c'est à 100% relaxant ce truc là actuellement. Elle lève. Oh non mais là, c'est un coup à te péter les cervicales. Sérieux, c'est pas faisable ça. Faut que t'aies les mains là. Tends-les. Voilà, comme ça, 2 secondes. Tends tes jambes. Tends tes jambes. Mais qu'est-ce qu'il fait? T'es pas capable les jambes d'étendre plus? Mais je peux, Zoom. Je comprends vraiment pourquoi la meuf, elle avait la tête hyper rouge, quoi. Ah, aïe. Ah, commotion cérébrale. T'es capable de me tenir là? T'es sûr? T'es sûr? Réussi. Réussi. Bon bah réussi, celui-là faut pas de talent. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si le concept vous a plu, mettez un énorme like juste en dessous et surtout dites-moi dans les commentaires quelle autre expérience vous souhaitez que je vive et que je teste. Bref, en attendant, si vous ne faites toujours pas partie de la famille, bah vous pouvez vous abonner juste ici. Et juste là, vous trouverez ma dernière vidéo où je me fais passer pour une jumelle avec mon caméraman au drive. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime. Tant que je suis pas musclée.